On a été très heureux d'apprendre à la Fondation Jacques de Champlain que le comédien Robert Toupin, qui participe à l'émission Le Tricheur à TVA, avait choisi de remettre ses gains à la Fondation. Alors, on va essayer de l'attraper à la sortie des studios. Bonjour et bienvenue au Tricheur! Mes invités cette semaine, Robert Toupin! Un seul tricheur ce soir! Savez-vous le trouver? Oh oui! Monsieur Toupin, bonjour. Bonjour, Marie-Evelyne. D'abord, merci pour ce beau cadeau que vous avez fait à la Fondation d'avoir... choisi de remettre les gains de votre participation à l'émission Le Tricheur à la Fondation. Racontez-moi comment c'est venu, comment c'est arrivé tout ça? Mon association avec la Fondation, c'est que Jacques de Champlain était un très grand ami à moi. Et puis on a tous été extrêmement abasourdis quand on a appris qu'il était mort d'une crise cardiaque en faisant du vélo. Et quand son fils, quelques mois plus tard, a décidé de partir une fondation, fonder une fondation, alors je suis devenu le porte-parole de la fondation pendant quelques années, ainsi que j'ai été membre du conseil d'administration aussi. Alors c'est ma fondation chouchou. Donc c'est le moment de voter et de valider qui est votre tricheur. 50% des gens derrière moi parce que c'est Robert Toupin qui triche en ce moment. On essaie de se faire passer pour le tricheur. Il y a 5 concurrents et puis un des concurrents a les réponses aux questions qui sont posées et doit prétendre que lui, il ne le sait pas. Et puis le jeu, c'est d'essayer de trouver qui est le tricheur pendant le jeu. Alors, mais ça donne des points si on essaie d'attirer les soupçons sur soi. Robert! Je suis allé pour Nordel. Je l'ai entendu il n'y a pas longtemps en plus. Je suis pas sûr que c'était Nordel. Il est pas sûr, lui, hein? Il est pas sûr! Ouais, il est pas sûr, mais il y a des bonnes réponses. Et la bonne réponse, c'est... Ténois! Des fois, on a l'air un peu imbécile parce qu'on répond pas à la question. On dit, si je m'en rappelle, j'arrive pas à trouver la réponse. Puis là, les gens disent, oh, ben c'est lui, ça c'est certain, ça doit être lui. Mais c'est pas si simple que ça. C'est un jeu de stratégie. Alors, à la fin de la semaine, j'étais heureux. C'était 2100 $, un peu de dollars près, 2100 quelque chose. Là. Alors, j'étais bien content de pouvoir remettre ça à la Fondation. Ah! Ben, ouais, il n'y a pas mal de part. Au moins, il n'y a vraiment pas mal de part.